Bon, allez, on change de scène. Tac. Ah, montée est prêt. Bon. Montée est prêt. Pile au moment où je lance le truc. Hop, histoire que ce soit pas trop fort. Alors, qui c'est qui a... Qui c'est qui a écrit dans le chat? Salut Mike, salut Gerby qui est sur YouTube, salut Rotor le vrai. À quand la fin de Captain Blood? Oh, si tu savais. si tu savais, je vais en parler de ça. Salut qui? Salut Gerby, j'ai dit. Salut Wizbot, bah non. Mike, salut Shoryu. Salut Retro Amstrad. Saludo, Amsterega, Sal, at, génial, Captain Blood. Oh, I don't speak Spanish, I'm very sorry. Moi je dis la version internet devrait être interdite à ceux qui n'ont pas fini la version Amstrad. Salut King of Mambo, tu le fais sur ST après le CPC? Ah, faut vraiment que je vous parle de ça quoi. Tu l'avais fini sur CPC? Non, non. Alors, donc, faut que je vous dise. C'est pas faute d'avoir fait des efforts de compréhension du jeu sur la version Amstrad. Mais honnêtement, si je continue à y jouer sur Amstrad, je vais vraiment péter un câble. Je vais imploser. Je vais vraiment imploser. Et il restera qu'un petit tas de cendres sur la chaise. Et c'est tout ce qui restera de moi. Tout ça, d'accord, tout ça là, ce que vous voyez là, ça c'est à peu près une cinquantaine d'heures de jeu sur Captain Blood version Amstrad. Ça, c'est ce que j'ai pu trouver comme planète, hein, le plan de l'univers, sur ces cinquantaines de jeux là, deux heures là, et il y a quoi à peu près, allez, plus de 20, 25, 30 soft lock, j'ai arrêté de les compter quoi. Voilà, j'ai quasiment fini le jeu pourtant, donc ça m'énerve. Donc il y a 5 numéros à choper, j'en ai 3, mais les persos ne m'obéissent plus, ils veulent plus rien savoir. Ils veulent rien lâcher, et ça se trouve je suis encore soft lock. Ça se trouve depuis la moitié du jeu, et j'en sais rien, je le sais qu'à la fin, enfin au bout d'un moment quoi, faut arrêter d'insister, j'arriverai jamais à le finir sur l'Amstrad quoi. Pourquoi tu lis pas la solution? Parce que je n'aime pas les solutions, ça me gâche le jeu, je préfère ne pas le finir. Si ça se trouve, peut-être que dans 5 ans, je sais pas, j'y reviendrai, et puis là, j'arriverai à le finir. Mais Captain Blood a été un très bon jeu, même s'il m'énerve, même si il y a des trucs qui sont incohérents et qui sont mal faits. J'ai pas envie de lire la Solus, d'autant plus que je l'ai pas fait du tout, moi, sur Atari, donc ce serait complètement stupide. Le jeu est pas bon sur CPC. Bah, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que en fait, on est, tu vois ce que c'est qu'un soft lock, c'est-à-dire que le jeu à un moment donné, sans, pour, voilà, parce que t'as fait une action ou tu l'as pas faite ou tu l'as pas faite au bon moment, le jeu te bloque. Sauf que là, tu ne le sais pas, c'est-à-dire qu'il te bloque même pour le finir. Sauf que là, t'as aucun moyen de le savoir, sauf quand t'arrives au bout de ce que t'as fait et que tu te rends compte qu'en fin de compte, bah, ça se trouve, il y a une action que tu aurais dû faire antérieurement, et c'est trop tard, il faut recommencer tout le jeu. Donc c'est pour ça que toutes les feuilles que j'ai montrées là, c'est le jeu que j'ai recommencé, à chaque fois avec des nouvelles coordonnées. Donc, Softlock, c'est quoi? Bah tiens, du coup, je viens de l'expliquer. Mais du coup, ton plan de lumière changeait à chaque partie? Non, non, du tout. Alors ça, heureusement, parce que là, il manquerait plus que ça. En fait, non, il y a différentes missions. Donc il y a les Migrax, les Crolis. Il y a King Pack, il y a les Eagle, Iswall, plutôt, il y a qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les Sinox. Bref, il y a des missions. Peu importe par quelle mission tu commences, quand le jeu te met quelque part, voilà, il te place voilà, là où c'est random.
Et puis tu commences ta mission là où il te met. Et les missions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Migrax, il faut toujours envoyer. Comment il s'appelle lui Grand Prime. Il faut l'envoyer sur une planète inconnue pour qu'il se mette à chouiner et qu'il nous lâche les coordonnées de missiles courageux. Donc c'est toujours la même chose. Ça change pas. T'es sûr que c'est pas une version pirate? Non, non, c'est pas une version pirate. Je ne joue pas avec des versions pirates rétro-dodo. Mais juste qu'avec des originaux, en fait. Je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Mais je sais pas s'il y a une solution, moi, mais... En tout cas, s'il y en a une... Voilà. Salut CX. Tu devrais te mettre à la version Atari. Pour le finir, bah écoute, tu vois là le petit écran qui est là, c'est l'écran Atari. Donc, bah, je vais essayer de finir comme tu dis, mais franchement, je n'espère absolument rien. Et donc aujourd'hui, je devais le streamer sur sur mon Atari, sur le STE ou le STF, peu importe. De mémoire, il y a différentes solutions selon le début de la partie. Oui, c'est ça, ouais. Selon le début de la partie, mais les solutions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que tu fais toujours les mêmes choses pour selon le type d'ennemi. Les Sinox, il y en a toujours un qui veut 4 planètes, il y en a toujours un qui veut les Robheads. Ça change pas, peu importe par lequel tu commences en fait. Parce que les planètes communiquent facilement les unes avec les autres. C'est pour ça que j'ai mis des flèches sur les planètes, tu vois. Tu vois, c'est quelle planète te donne quelles coordonnées. Donc. Tu as le ST. Oui, j'ai un 520 STF qui est là. J'ai un 1040 STE avec 4 mégas de RAM qui est là. Et j'ai un 520 STE qui est dans le placard avec lequel voilà, je streamais. Mais voilà. Donc j'ai cette version-là du jeu. C'est une version Pocket Soft, donc c'est une version budget price, quoi. Et le problème, c'est que la disquette. Charge le jeu sans problème, mais quand j'explore la première planète, il ne m'affiche aucun ennemi. Alors que normalement, il y a toujours un ennemi sur française ou version internationale. Ben non, la version française. De toute façon, c'est multilangue, hein, Captain Blood. Donc, t'as trois langues sur celui-là, je crois. Et donc ça marchait pas. J'ai essayé de la réparer avec un cryoflux avec un IPF que Denis m'a envoyé. Seulement l'IPF, une fois gravé sur la disquette, ça n'a rien changé. J'ai testé l'IPF sur l'émulateur, l'IPF non plus ne fonctionne pas. Donc, comme ça, je dis bon, allez, tant mieux, je vais faire ça en émulation. Et donc, j'ai du tout réinstallé. Salut, TryXD! Et donc, bah là, du coup, je vais être en émulation, quoi, pour le coup. Donc, voilà, tant pis. Et donc oui, il faut que je recale mes écrans, moi, parce que du coup, je suis pas dans la même configuration que d'habitude. Non, c'est pour ça que je voulais faire. Et hop là. Et puis là, ça va être pareil. Voilà. Toc. La version 3 langues, c'est la version internationale. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, bah, voilà, c'est ça. Bah, la version voilà, où tu as les 3 langues. De toute façon, j'ai pas la version française première édition. J'ai que des versions originales dans les jeux, certes, mais des fois des secondes éditions ou des rééditions budget price selon. Donc, pareil pour la version Amstrad. Hein, moi, j'y joue sur cassette. Donc on y va. Donc moi je vais prendre la version parce que la version Pocket Soft elle marche pas. Donc j'ai trouvé une autre version. Je crois aussi qu'il y a une différence dans le système de jeu entre les deux versions. Alors là je sais pas du tout. Possible. Moi j'ai mon Atari qui n'est pas compatible avec mon écran CRT. Ah bon? T'as quoi comme Atari? Hop, jeu. Alors une version STX, comme ça au moins c'est pas une version craquée.
prendre celle-là. Et puis ensuite, l'autre pareil. Un 520 STE. Et donc tu as un câble Péritel et tout ça et ça marche pas. Parce que j'ai un 520 STE mais il passe bien sur ma télé. Je salive déjà de la musique de Jean-Michel Jarre. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal sur la version ST. Je l'ai même pas reconnue d'ailleurs par rapport à la version Amstrad. La seule chose dont je me souviens de ce jeu, c'est que quand tu te prends un mur, le mec te dit un truc du genre Shindadrai, Indadrai. Ah, je sais pas du tout. Je l'ai jamais faite, la version STE. Pourquoi il descend comme un con ce curseur là? Captain Blood. Disque numéro 2, 2. Ok, Norisette. Sur Atari, si tu as trop de RAM, ça bug sur certaines versions. Ouais, bah écoute, on verra bien. De toute façon, je risque d'être bloqué dans le jeu avant que ça bug. Hein. Faudra que j'aille chercher mon thé, moi aussi, à un moment donné. Ah, je vous montre le volume un peu, quand même. Je vous laisse un peu la musique. Je vais aller chercher mon thé en attendant. Bon, voilà. Sur cette TV CRT, alors attends, je vais te lire après. Insert disque 2. Il prend pas quand c'est sur le truc en face B. Ah si. Sur cette TV CRT peut lire la console Sega Mega Drive. Alors là je peux pas trop t'aider, je sais que moi j'ai le problème sur à cause d'une Péritel, d'un cordon Péritel sur les Amstrad, sinon tout le reste passe sur les télés, mais donc on va prendre ça, je vais aller checker mon téléphone.
Bon, c'est parti. Alors, tiens, salut Gus. Donc, je vais commencer par noter déjà la première planète. Donc, 29, 106. Tac. Alors, je vais faire comme sur Amstrad. Ça, c'est rigolo. Oh la vache. Le rendu est vachement plus saisissant que sur Amstrad au niveau de l'effet de navigation là. Parce qu'en fait là on a vraiment l'impression qu'on tourne en fait. Si je vais à gauche, hop. Waouh. Ah d'accord, ouais, les boutons de la souris c'est pour ralentir ou accélérer en fait. Je l'ai vraiment pas essayé, hein. J'ai juste lancé la disquette voir si le truc marchait. Et j'ai pas essayé de naviguer avec. La vache, il réagit vachement vite en fait. Hein. Bah, cette phase-là du jeu est vachement plus agréable que sur Amstrad en fait. Bon là, ce coup-ci, j'ai pas les deux petites flèches. Ça dépend en fait des planètes. Wow. Ah merde. Quoi? Ah, il a dit un truc, j'ai pas capté. Aïe. Merde. Comment on fait pour se barrer de là? Oh, ça va me saouler, ça. Ça va me saouler. Alors ouais, ok, c'est sympa l'effet et tout là de 3D, mais alors si on est bloqué dans le jeu parce que on est en face à une falaise, c'est vraiment pourri quoi. On peut pas reculer. Et on peut pas se déplacer. Ah si. Ah non, j'ai appuyé sur une touche. Ah d'accord. J'ai appuyé sur une touche curseur et ça. Bon, ça ne marche pas. Ça me fait le même genre de problème que sur la disquette originale. Salut Shark! Faut appuyer sur échappe. Bah là, tu vois, j'appuie sur une autre touche. Bon, bah le jeu ne fonctionne pas. Hein. Ouais, c'est beau, mais le jeu est pété, quoi. Non, je sais pas, je vais voir si en faisant échappe, je peux pas m'en aller. Je peux pas quitter la planète là? Qu'est-ce qu'ils disent là dans le manuel là? Parce que c'est pareil, le manuel il est vraiment pas terrible quoi. Il n'y a pas grand-chose pour. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je joue sur émulateur, parce que t'étais pas là tout à l'heure, mais j'ai expliqué, j'ai essayé de le faire fonctionner avec. Sur mon ST et la disquette a pas l'air de vouloir fonctionner. Enfin, j'ai pas les ennemis quoi, donc. Mais là, c'est bizarre, là, j'ai ça. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, le bras? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le bras, il bouge comme si on était.
le temps était limité. Enfin, on avait dépassé le temps limité. C'est quoi le problème de... Oh putain! Bon. Captain Blood Parkinson. Il tremble parce que tu t'es pris trop de falaises. Ah bon? Mais il n'y a pas ça sur Amstrad. Et il va s'arrêter de trembler à un moment donné ou pas? Ou c'est foutu? Je vais essayer d'aller quelque part. Et c'est pas un jeu craqué, Rétro Dodo. C'est fichu de... Putain, la vache, c'est encore pire que la version Amstrad, quoi. À peine commencé le jeu, le truc est mort. Mais non, c'est pas une version pirate. C'est une version originale. Il y a les, c'est une version STX avec la protection dedans, donc. Mais non, c'est pas un jeu mal copié. Par contre, ouais, non, bah là, c'est mort, quoi. Faut que je redémarre le jeu, quoi. C'est Alt. Je crois que c'est Alt, Contrôle et deux lettres. Je sais pas si ça marche sur les claviers PC. Non, peut-être pas. Bah moi aussi, j'ai une version disquette, même craquée, ça tremble pas, quoi. Mais ma version originale, elle est pétée, quoi. Apparemment, si on se prend trop de falaises, ça fait ça, donc bon. Mais ça n'a rien à voir avec une version craquée ou pas. Surtout que là, c'est pas une version craquée. Là, je suis sur un STE aussi. Alors, est-ce que le STE permet ou pas? Après, peut-être que par précaution, j'aurais peut-être dû faire ça sur un 520 STF. Donc je vais pas explorer la planète, je vais faire échappe. Par contre ça c'est long là, les textures à se remplir. Ah, un Migrax. Ah, tu l'avais sur STE et la main tremblait aussi. Bah écoute. Je vais faire une version, parce que là elle tremble la main. Je vais faire une version sur ST alors. Parce que Denis m'avait dit il n'est pas compatible avec le STE. Je vais faire ça avec un ST alors. Alors, système, ST. En mémoire, on va en mettre 2 mégas, pas plus. Disque dur, je m'en fous, c'est pas grave. Et puis, bon, il va prendre le TOS automatiquement. Bonjour, si le bras de Blue tremble très rapidement après avoir commencé une partie au début, c'est que la version que tu utilises n'est pas craquée. Si mes souvenirs sont bons, la protection était en effet assez originale puisqu'on pouvait jouer au jeu. Mais le bras de... au bout de quelques minutes. Ouais, non, oui, mais la protection elle est en secteur 79. C'est un multi-secteur en fait. Mais je l'ai la version originale, j'en ai une, mais c'est pas le même c'est le même problème. Salut Alexor, tu ne finis pas la version CPC? Bah non, mais j'ai déjà expliqué en fait au début la version CPC, le problème.
non, mais je veux pas remettre la version STE, bruitis de système là. 68 000, ça c'est bon. Système ST. Elle est où la ROM là-dedans? Ah, elle est là. La 1.0. C'est pas grave, j'utilise pas le disque dur. Pas compatible avec le ST. Ouais, c'est ça. Bon, ça m'a mis quoi là? Oh, tiens, j'allais voir là. Alors, ça me dit rien du tout. Pas génial pour ça. Ça c'est bon. Je vais comme revérifier. J'ai bien mis la... Ouais, c'est bien. ST. Je vais sauvegarder la config. Non, la memory not available. Qu'est-ce qu'il me raconte encore, lui? Je vais mettre un méga. Sinon, je vais virer les disques durs hein, s'il m'emmerde le truc. Hein. Pourquoi ça me le met en. J'ai sauvegardé le bureau comme ça ou quoi, moi? J'ai une musique de fond dedans? Ah ouais, faudrait que je la vire. Parce qu'avec le jeu, ça peut être terrible. Je vais virer les disques durs là, puisqu'ils m'emmerdent avec ces disques durs. Est-ce qu'il va me dire pareil? Normalement, c'est bon. Après, si tu veux, il cherche des protections comme celle de Captain Blood. J'ai des jeux dumpés avec ça, j'en ai vu plein. En fait, dans un secteur, tu as plein de secteurs en fait. Il y en a jusqu'à une soixantaine. Et c'est souvent, voire toujours, en piste 79 en fait. C'est pour ça que des fois que le lecteur il fait un super gros bruit, parce qu'en fait, le lecteur, la tête de lecture va jusqu'en piste 79 d'un coup avant de revenir. Hop, alors est-ce que ça me refait pareil? Ok. On va voir si ça continue ou pas. Alors ensuite, échappe. Voilà. Ah mais non. Ça déconne quand même. Pourtant, c'est une version originale que j'ai là. Donc, de quoi ça peut venir ça? Parce que j'ai qu'un méga de mémoire. C'est bien un ST. Là, c'est bien le TOS. 1.0. L'1.0 que j'ai là, donc ça c'est OK.
Les disques durs, je les ai virés. Je peux sauvegarder la config comme ça d'ailleurs. Je vais voir si avec une autre version c'est pareil ou pas. Tout ça, ce sont des STX. Donc les STX comprennent la protection du jeu en fait. Donc le jeu n'est pas craqué. C'est une... Voilà. Alors est-ce qu'il a été dumpé correctement? Ça, c'est une autre histoire par contre. Mais je pense que je vais aller le prendre directement sur Atari Mania. Parce que là, c'est un. Comment dire un, on appelle ça un. Oh merde, les archives là, les TOSEC. Et les TOSEC, c'est un peu la foire au jeu et on ne sait pas d'où ils viennent en fait. On ne sait pas qui les a dumpés, avec quoi, comment, et si jamais il y a des secteurs qui sont pas propres, parce qu'il y en a qui dumpent des trucs et puis bah, c'est pas propre. Bah, du coup, si un secteur est mal lu ou que la protection est mal lue, ben, c'est un peu foutu quoi. Je vais aller sur le site Atari Mania. Puis je vais récupérer. Normalement, c'est à peu près propre. Normalement, j'ai pas eu de mauvaise surprise sur Atari Mania. Atari Mania. Hop. ST Games. Dans les C. Alors, Captain Blood. Bon, je vais taper Captain. Alors, est-ce qu'il y a le dump? Normalement, oui. L'arche du Captain Blood. Alors, la version française n'existe pas en dump sur le site. Par contre, il y a la version multilingue de Air Informatique Exos. Alors, il y a celui-là. Ça, c'est la version budget que j'ai, mais qui ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre celle-là. Deux disquettes. Download. Tac. Ça, hop. Alors, téléchargement. Ça me l'a mis où? Putain, que c'est casse-couille ça. Hop, affiché dans le dossier. Je fous ça sur le bureau. Au moins, je sais où c'est. Tac, ça je ferme, ça je ferme. Hop, floppy disk. On va voir si avec la version du site ça change quelque chose. Ok, B et A. Donc là le dossier il est là. Disquette A. Et disquette B. A, B, main menu, save config, hop, reset machine. Bon, j'espère que ça va pas faire chier là.
Ça donne quoi cette version interlistée? Bah, Parkinson. Elle marche pas. J'ai du mal à trouver une version qui fonctionne. Ma disquette ne fonctionne pas sur mes Atari, donc il faut que je la refasse. Et quand j'essaye d'aller, même avec une version originale. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qui c'est qui a dumpé cette daube là, sans déconner? La vache! Ah, oh, c'est pas possible, sans déconner. Mais sur Atari Mania, ils les essayent ou pas les jeux, quoi? Parce que là, c'est pas possible, quoi. Un salut Wiscat Live. Bah écoute, bienvenue, mais je sais pas si tu vas voir grand-chose. Hein. J'arrive même pas à faire fonctionner Captain Blood. Il y a beaucoup de jeux qui ne fonctionnent pas sur Atari Mania. Bah, je vais essayer, j'ai une version alternative encore. Je vais toutes les faire. Hein. Jusqu'à ce que je tombe sur la bonne. Que les mecs, en fait, ils dumpent, ils envoient, mais ils nettoient pas les disquettes. Alors, c'est bien de dumper une disquette, mais si tu nettoies pas la disquette, bah, tu dumpes des secteurs qui sont pas lisibles. Alors, est-ce que c'est mieux? Je touche du bois, hein. On essaye. Bon. On va dire que c'était un faux départ. Salut Paco! Ah bah voilà, enfin! Et non, même pas! Eh la vache! Ta voix qui est hachée aussi. Ouais, bah ça c'est comment dire, c'est Twitch. Si tu vas sur YouTube ou si tu descends la résolution sur Twitch, normalement ça corrige le truc. Bon, bah qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis vraiment pas. Voilà, j'ai une configuration qui est tout à fait classique, quoi. Ouais, mais si tu rebootes normalement, si tu fais F5, ça devrait corriger le truc, je pense. Parce que là, quand. Bah là, j'ai pas de décalage ici, donc ça doit être à l'arrivée, je pense. Sur Planète Ému. Bah écoute, je vais aller voir sur Planète Ému. Ah, par contre, c'est des versions crack là, par contre. Hein. C'est que des versions crack. L'Arche du Captain Blood. Alors là, c'est une version française. Je la prends. Affichée dans le dossier. De toute façon, je vais vite voir hein, si c'est une version crack ou pas. Alors, tac, tac. Ouais, c'est une version crack. Donc bon bah on va essayer hein. Et puis à ça après. Si je fais ça.
Sinon, j'ai encore un autre crack ici. On verra bien. Hop là, affiché dans le dossier. Hop, foutre ça dans le bureau. Et on va essayer. Alors, floppy disk, éjecte, éjecte. Alors, l'Arche du Captain Blood, version française. Reset machine. Ouais, Paco, ouais, la main elle tremble dès le début en fait. Salut Retro Player. Ah oui, ça sent le crack ça, non? Ou alors c'est comme ça? Bienvenue à bord de l'ACB. Copyright nanana. Ouais, les versions crack, ils ont firé l'écran de départ en fait. En fait, la main tremble dès qu'on arrive sur une planète. Ah oui, c'est vraiment français. Hein. Ça se trouve, la version pirate va mieux fonctionner. Oh, c'est marrant quand c'est en français, ça. Tiens, on va faire échappe. Oh, c'est bizarre. Alors, est-ce que la main tremble? Ah, bah non, la main tremble pas. Bah, les versions crack fonctionnent mieux que les versions originales. Bah, ça, c'est quand même un comble. Je vais sauvegarder ma config. Hop. Bon, bah voilà. Alors, on arrive avec un miswall. Alors, je vais commencer à noter les coordonnées. 194, 48. Et c'est reparti. À tous les coups, ça c'est Yoko. C'est pas tout simplement les versions internationales qui déconnent. J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Alors. Moi aimé, moi aimé P, moi aimé toi, planète vouloir P. Ah, c'est pas les mêmes icônes que sur Amstrad, enfin, c'est ça me perturbe. Fou aimé Crolis Ulve. Alors, bon, bah, je vais commencer, je vais aller droit au but. Je vais faire moi, aller. Alors, coordonnées. Alors, faut qu'il me balance. J'ai besoin de. Oh putain, ça fait bizarre, c'est pas les mêmes icônes. Ils sont où les Migrax là-dedans? Les Migrax. Putain, la vache, c'est ça les Migrax. Non, moi pas aller. Ouais, bon, si je te dis Migrax. Coordonnées, planète. Oh, mais bon, par contre, le scrolling, qu'est-ce qu'il est lent, ouais. Migrax. Alors que c'est 42-24. Vous n'avez pas de décalage, les gens du chat? Putain, t'as un décalage, Paco. Bizarre, ça. Alors, Migrax. Alors, ça, c'est Yoko. Yoko qui me donne 42-24. Ça, c'est Migrax. Et ça, tous les coups, c'est grand prime.
Ouais, bon, ça c'est ta planète, ok. Alors ensuite, je voudrais qu'il me donne. Alors, coordonnées, planète, gros décalage entre la vidéo et ta voix. Ah bon? Bah écoute, je sais pas du tout, hein. Je ne sais pas du tout. D'habitude, ça fait pas ça? Alors, coordonnées, planète, Crolis-Ulve. 42, 24. Bah, il me l'a déjà donné, ce con. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas la même. Putain, et par contre, le scrolling du texte, là, il est vachement lent, quoi. Coordonnées, planète. Ouais, il faut faire ça, c'est plus pratique. Coordonnées, planète. Ils sont où les planètes, là? Oh, putain, j'aime pas du tout. Ça change trop. Bugle. Putain, il me donne toujours la même planète, ce con. C'est peut-être pas Yoko, lui. Moi, aimer toi. Moi, donner grandes informations. Toi, contacter ami Iswall. En 40-48. Ah bon? Ça se trouve, c'est pas Yoko, il m'a même pas dit que c'était bien. C'est pas Yoko. Ah, salut Rude! Salut Anton Netpon, on est passé sur la version ST. Oui, parce que la version CPC, faut oublier, j'arrive pas à la finir. J'arrive pas à la finir. Il me reste quoi, deux numéros, mais voilà, ça fait 50 heures que j'y suis, 23 softlock, c'est bon, j'abandonne, j'en peux plus. Il y a trop d'incohérences dans le jeu, et je voulais voir un petit peu ce que donnait cette version-là. Alors lui, il s'est barré le truc là. Alors il m'a donné les coordonnées de Migrax, mais je peux pas retourner sur la planète là? Vision passe-passe activée. Le problème ne vient-il pas de l'émulation ST? Bah écoute, j'en sais rien du tout. Parce que moi, ma version disquette ne fonctionne pas, donc j'ai pas pu le tester sur mon vrai hardware, quoi. Bah. Ouais, putain, j'appuie sur échappe, mais le machin, il met du temps à réagir. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment barré, le machin? Il m'a pas donné ça. Webcam Ah, voilà. activée. Alors déjà, je vais me présenter, je vais lui dire, moi, Blood. Tant que j'y suis, coordonnées, planète, numéro, sur un malentendu. Ouais, non. Moi, pas connaître numéro. Oui, il connaît que ces numéros-là, lui. Toi vouloir aller tuer numéro. Ok. Dingue, sur Amstrad, les animations planètes sont mieux réalisées. Ouais, je trouve que c'est plus joli. Ouais, on voit vraiment que la planète tourne. Là, je trouve c'est un peu bof. Morlock. Non, il veut pas. Coordonnées, planète. Qu'est-ce que je voudrais, moi? Bugle. Mais c'est qui ce Iswall là? D'accord, donc faut cliquer plusieurs fois dessus. Toi. Identité. C'est qui lui? Alors moi, pas identité. Moi, Iswall. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas Yoko.
C'est pas Yoko, c'en est un autre. Alors sur les la map que j'avais faite, j'en avais plusieurs des Eastwall. J'avais Petit Ami, j'avais Eastwall Maxon. Tiens, je vais lui demander coordonnées de la planète Tricéphale. J'avais noté ça. Coordonnées planète. Est-ce qu'on peut déjà? C'est où Tricéphale? Oh le bordel dans les icônes, je m'y retrouve pas. Cette version est un peu moins bien réalisée aussi, je trouve, que les autres versions Atari ST. Ah, sans déconner, je comprends pas. Il est où Tricéphale, là, le truc à trois têtes? Moi, je m'y retrouve pas du tout, là, hein, dans les icônes. Hein. C'est pas du tout comme sur Amstrad. Là. Il y en a certains, là, on comprend pas, en fait. Ah, il est là. C'est Total. Avant, je l'avais pas, ça. Non. Je sais plus. Orcs, je sais pas ce que c'est. Chronisphère, Yuka, ondoyante, homme. Ouais, bon, il me dit toujours la même chose. Ok, d'accord. Bon, moi, il va me falloir les Migrax. Je veux voir parce que la mission des Migrax, elle est pas très longue. Et donc je vais aller en 42-20. Il parle vraiment en français le truc, hein. Oh la vache, ça fait bizarre. Et il parle, c'est surtout ça. 42-24. Oh putain la vache, avec la souris, il faut faire ça. 42 24, ça doit être par là. C'est chaud pour choper une coordonnée. 42-24. Bah, il n'y a pas de bruit. Ça fait pas de bruit. T'as pas demandé le code ami. Non, c'est pas Yoko. Moi d'habitude je le demande à Yoko. Oh, bah voyons, l'hyperespace est nul à chier, quoi. On dirait une démo. Tu sais que les formes, là, quand ils font des démos, là, les démo makers. Dingue, j'y jouais avec un pote, version boîte sur ST. Je me souvenais pas que c'était en français. Bah, il y a plusieurs versions. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un citron qui a été mal épluché. Ah bah, je suis déçu. Je suis déçu de l'animation des planètes. Bon, on va aller dessus, hein. Par contre, j'aime bien ça. Bah, c'est la version française. Alors, est-ce que, y a eu plusieurs versions? Là, je cherche un Migrax. Si vous en voyez un. Oh la vache! Par contre, ça réagit vite quoi, hein, quand les flèches qu'on descend. Attention, c'est reparti. Merde. Par contre, j'aime bien la 3D là.
Alors bon, c'est pas possible de faire ça sur toutes les planètes, parce que sinon c'est hyper long le jeu, mais je trouve ça agréable quoi. On a vraiment une sensation de déplacement. Hop, on fonce. On ralentit, sinon je vais me prendre une falaise. Et apparemment, quand on s'en prend trop, après on a la main qui déconne. Ouais, j'aime bien l'effet de la visite des planètes là. C'est toujours comme ça, tu finis par un couloir. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça bien réalisé, ça. Donc là, normalement, je suis sur la planète des Migrax. Je ne devrais pas trop tarder à arriver. En 360, c'est bon, plus de décalage. D'accord. Ah, pour info, moi j'aimais en 480, donc c'est peut-être pour ça aussi. Si tu regardes. Oh, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc je suis en 42-24, oui, donc ça doit être Migrax. Par contre, c'est long là les textures. Webcom Ah non? activé. Oh bah, vas-y. Moi, esprit ondoyante, Torka. Bon bah d'accord, je pensais que c'était un Migrax, mais non, c'est Torka. Blood, toi, aidez-moi. Pleure, pleure, moi, peur, Blood. Numéro, peur, peur, Blood, Blood, danger. Toi, allez, danger. Bon, bah ok, très bien, au revoir. Tout ça pour ça. Repérage galaxie activé. Bon, bah, je vais aller voir en 40-48, c'est ça qu'on m'avait donné. Par contre, c'est pas évident là, de choper les coordonnées. 40-48. Hyperespace. Ils disent les mêmes choses que sur CPC. Ah non, sur CPC, c'est des bruits, quoi. Là, t'as de la voix, ils parlent, donc c'est différent. Je me dis que si Atari et Commodore avaient travaillé ensemble, on aurait eu The Machine Ultime. Ouais, probable. Par contre, ça, honnêtement, c'est moche. Hein. Y a pas moyen de zapper ça? On est obligé de se taper l'hyperespace? Vision passe-passe activée. Ah, les dialogues? Oui, il me semble que c'est les mêmes, ouais. Par contre. Je trouve que. Oh, quoique, est-ce que c'est un choix qu'ils ont fait que les planètes tournent plus lentement? Pas grande différence avec la version Amiga. Ah bon? Bah, la voix digitale est bien foutue, c'est parce qu'il y a de la RAM dans l'Atari, quoi. Il n'y aurait pas eu de RAM, il n'y aurait pas eu de son digital, quoi. Parce que c'est un Y comme dans les CPC, donc. Bon, bah, on va voir ce qu'il y a là-dessus. Activé. J'appuie sur échappe, mais ça met du temps à. Je préfère la version Amstrad quand même. Bah écoute, moi pour l'instant, je suis. Je sais pas. J'attends de voir, mais. Webcom activé. Toi, aimez-moi. Ouais, c'est pas les mêmes dialogues. Hein. Si c'est Yoko, il dit pas ça lui. Il dit pas ça Yoko habituellement. Alors, bonjour. Moi. Blood. Bonjour, grand guerrier. Par contre, ça, il le dit. Alors, je vais lui demander son identité. Moi, pas identité, moi, is wall. Oh putain.
Bon, je vais quand même faire moi aller coordonnées planète. Comment ils sont où les Migrax là-dedans? Putain, j'ai pas l'habitude des. Ah, les Migrax, c'est ça. Putain. Toi, information. 42-24, mais il se refile ces torcas, j'y suis déjà allé. J'ai la disquette atterrie, mais je sais pas si c'est sur une vraie. Tu peux pas demander les coordonnées de Yoko? Bah ouais, je vais finir par faire ça, parce que. Je sais pas qui c'est ce machin. Mais je vais. Moi, il me faut plusieurs coordonnées en plus. Coordonnées. Alors déjà, il me faut les coordonnées de Bobo. Ah, 204-33. 204-33. Toi, grand ami courageux. Ah bon? Toi, contacté grand ami Iswall. Grand ami. Alors, il y a petit ami, je connais. Grand ami, je connais pas. Ah, 82-43. Il est bavard, lui, c'est bien. 82-43. Pour l'instant, il n'y a pas trop de similitudes avec la version Amstrad. Mais on peut pas revenir directement dedans. Je suis obligé de faire ça pour revenir sur la planète. Par contre, c'est long ça, les remplissages de texture, quoi. Moi, je voudrais les coordonnées planète Yoko. Quarante-deux, vingt-quatre. Deux cent quatre, trente-trois. Ça, il me l'a déjà donné. 82, 43, il me l'a déjà donné. Ouais, salut Geeksal. Bah oui, la texture c'est bien joli, mais par contre ça prend du temps quoi. Alors là pour l'instant, je suis un peu paumé là dans cette version-là, moi. 204, 33. Par contre, il n'y a pas moyen de zapper ça là. Échappe. Bah, j'essaye de zapper, mais j'y arrive pas. Eh, on est obligé de se taper cette merde. Attends, je vais regarder dans le mode d'emploi. Il n'y a pas moyen de. Ah non, mais je vais pas avoir la patience, moi. Je vais pas avoir la patience. Il y a forcément une astuce. Alors, ouais, échappe si vous souhaitez abréger l'hyperespace, le survol de la planète ou la destruction d'une planète. Ouais. Et bah, ça n'a pas l'air de marcher leur truc, hein. Échappe. Alors moi je maintiens échappe pour que ça marche, sinon ça marche pas. Là je suis en 204-33, alors je sais pas. Encore?
Le jeu commence déjà à me saouler. Repérage galaxie activée. 82-43. Sinon, je vais essayer aussi une autre version, parce que la version comme ça, je sais pas trop. Enfin, je suis pas. Alors 82, et puis j'ai du mal avec les coordonnées là. 82-43. 43, j'y suis presque. 82. Toi qui voulais te changer les idées avec une autre version, ça va te gonfler vite. Ouais, là, c'est. Alors, j'appuie sur échappe. Voilà, là, j'appuie sur échappe. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. La touche échappe ne fonctionne pas pour l'hyperespace. Alors, est-ce que c'est sur la version française ou la version internationale? Mais là, c'est trop long, hein. Ah, mais si version Amiga, c'est le même bordel. Vision passe-passe Mais activée. non, je vois pas d'autres touches, ou alors c'est un autre manuel, je sais pas du tout. Merde, j'ai cliqué là où il faut aller pas. Puis les planètes sont quand même lentes à arriver. Bon, échappe. Déjà, moi, ça me perturbe, c'est que ça parle français, quoi. Alors, lui, c'est qui? Ils me disent tous la même chose, quoi. Je vais lui demander son identité. Moi, pas identité, moi, Iswell. Papa, pas donner identité, moi. Oh la vache. Je n'ai que ces personnages-là. Coordonnées, beau. Non, il veut pas. Coordonnées, planète, beau. Danger, toi, pas aller, planète. 42-24, mais j'en viens de la 42. Ils disent tous la même chose? C'est tous les mêmes personnages? 82-43. On y est. Coordonnées. Je vais essayer une autre version. Hein, parce que là, c'est pas possible. Moi, je veux les Migrax. Planète Bugle, ouais, je vais essayer. Coordonnées, planète. Mais là, je reconnais pas le jeu, hein, honnêtement. Non, il me dit toujours la même chose. Le truc, il piche que dalle, quoi. Ouais, bon, je vais changer de Captain Blood parce que là, ça va me gonfler vite fait. Moi, je veux, c'est pouvoir démarrer le jeu et pas être bloqué dès les trois premières persos alors que j'ai quasiment fini le jeu sur Amstrad. C'est pas du tout possible ça. Alors j'en ai téléchargé un autre, donc je vais en prendre un autre. Donc la version française, non. Crack 42, crew, machin, nanana. Captain Blood, voilà, ça c'est pas une version française. Reset machine. Bon, pour l'instant, Captain Blood Atari ST, je trouve que c'est un peu de la merde. Alors c'est peut-être cette version-là qui est pas terrible. Bon là par contre ils ont mis... par contre il n'y a qu'un seul disque. Hein. Normalement, ils disent que c'est One Disc. Hein. Donc, normalement... Voilà. Keyboard problème. Voilà pourquoi j'aime pas les versions crack moi.
Keyboard problème. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Ça n'a rien changé, ça. Non, ça change rien. C'est pas. Aucun rapport, c'est le jeu qui est complètement pété. Je vois même pas pourquoi il me dit keyboard problème. Keyboard problème. Excellent. Excellent. Ce jeu est vraiment mal branlé, quoi. Et les cracks sont encore pires. J'ai jamais vu un jeu aussi mal craqué, quoi. Et puis là, j'en ai plus, hein. J'ai pas d'autres versions, moi. Je vais aller en chercher une dans mon Tosec. J'en ai une autre encore, mais je crois pas des masses. Alors, au lieu de prendre des ST X, je vais prendre des versions ST. Vu que les originaux ne fonctionnent pas. Et non, c'est pas ça que je voulais. Ça va faire 1h21 de stream, j'ai pas commencé le jeu. Ça va vite me péter les couilles. Je pense que le Captain Blood, il va voler à travers la pièce. J'ai cette version là que j'ai pas testée. On va voir si ça fait le même problème. Parce que j'aimerais bien commencer à jouer, ça me gonfle, ça commence à me taper sur les nerfs. Le stream il va être vite abrégé quoi si c'est ça. Parce que l'heure passe et j'ai pas envie de commencer à jouer un jeu à 10h30 quoi. Comment ça, Italiano? Keyboard problème. Bon, je sais pas si je vais continuer le stream, ça me pète les couilles sévères, quoi. T'as vu marqué Italiano? Mais où c'est que t'as vu marqué ça? C'est une version italienne. Bah après, le problème, c'est que moi, je prends les versions qu'il y a là-dedans, donc je vois pas trop ce qui peut être écrit. Attends, je regarde si tu vois ça. Sur la première page, avec du texte. Ah ouais, donc on peut pas y jouer. Hein, version italienne au bas, il va falloir que j'en chope une sur un net. Oh là, que ça m'énerve, ça m'énerve. Rome. Ça c'est la version française, j'en veux pas. Parce que je comprends rien du tout à la version française. Et puis il n'y a que ça en fait sur Rome Station, c'est que il n'y a que cette version-là. Il n'y a que cette version-là, quoi. C'est pas normal quand même.
C'est un Tosec qu'il y a sur Planète Ému en plus. Sur Abandonware. Regarde le lien de route. Attends, parce que là, j'ai pas le chat. Version, item. Où est-ce que tu... C'est quoi ton lien? Internet Archive. Download Introm numéro 20, ROM 7. Attends, parce que tu m'as mis un fichier, mais par contre, j'arrive. Alors, si je fais clic droit, c'est un fichier zip. Ah oui, c'est un fichier zip. Et dedans, est-ce qu'il y a Captain Blood? Captain Blood Europe.zip. Écoute, je vais essayer, Rude, hein, on va bien voir. Captain Blood Europe, on met ça sur le bureau. J'ai cliqué sur ton lien. Ah ouais, non, non, mais moi je veux pas que tous les textes soient en anglais, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Non, moi je veux une version normale, quoi, pas un truc où il faut commencer à traduire. Ça va être le bordel sinon. Captain Blood Europe, disque 1, IPF. Ouais, mais alors ça c'est une version originale. On a essayé les versions originales, ça marchait pas. On va retester, hein. Mince, j'ai fait quoi moi? Ah d'accord, on est obligé de dézipper avant. D'habitude il prend. Mais bon là il prend pas quand c'est des IPF apparemment. Extraire ici. Disque 1.ipf. Disque 2.ipf, reset machine. Hop, on lance. Façon, on va y avoir. Hein. Si la copie passe pas, enfin si la protection passe pas, le bras va trembler dès le début, quoi. Dans la même unité. Floppy disk. Bon, il me lance le truc là ou... Ah bah c'est pas trop tôt. Keyboard problème. Bon, là au bout d'un moment, voilà, je vais arrêter de streamer le jeu parce que c'est pas possible. Y a pas de problème de clavier, putain. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Non mais sans déconner. Bon, je vais fermer l'émulateur et le rouvrir. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais
Je vois pas autre chose à faire. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis dedans en fait? Ah non, c'est la version française, putain, non, je veux pas. J'en ai marre, hein. J'en ai vraiment marre, quoi. J'en ai marre, j'en ai marre. Save config. Le bras qui tremble, c'est Captain Blood. Bah oui. Oui, ça oui, c'est pas le souci. De toute façon, je vais pas y jouer, hein. Il est déjà 10 h, j'ai même pas commencé à y jouer, je vais rien faire, quoi. Là, il va me rafficher keyboard problème. Quelle version de TOS le keyboard problème semble lié à la version du TOS? C'est un 1.00, version STF, quoi. Vu que sur STE, Braille tremblait, ça marchait pas. Donc, floppy disk, hop, disque 2. On appuie sur une touche, voilà, je viens d'appuyer sur une touche. Le TOS 1.02, c'est sur STE, je crois. Voilà, keyboard problème. J'ai 1 méga de RAM. 68 000, ok. La ROM que j'ai mise là, c'est 1.00. Il est sorti sur ça. Le 1.06, il faut la 1.02. Et pourquoi il faudrait la 1.02? Archive Berlioz. Qu'est-ce que tu mets comme lien, Rude? C'est quoi? I think the game had problems with STE because there's a version of auto patch version. Ok, STF it worked first time. And gave keyboard error the next one with. Alors, oui, alors keyboard error avec le 1.02, mais moi c'est le 1.00 donc. Et il demande si c'est pas. On peut pas le faire avec le TOS 1.04. Bah, c'est pas. On va essayer, hein. TOS 1.04. Mais bon, moi j'ai un STE et un STF. Le jeu est passé dessus, hein. Il n'y avait pas ce problème-là. Donc ça m'étonnerait que ça vienne de ça. Hein. Là, franchement, j'ai un gros doute, quoi. J'ai pas eu ce keyboard problème sur le vrai hardware, quoi. Là, je veux bien prendre le TOS 1.04. French, de préférence. Voilà, affiché dans le dossier, TOS 1.04. On va le copier. Tac, document, section Atari ST, logiciel, émulateur, Atari. Coller. Pof, pof, ça on ferme. Cancel. Pourquoi tu ne voulais pas continuer la version Amstrad? Parce que Alexor, j'ai fait 50 heures de jeu dessus. Je suis systématiquement softlock, toujours au même endroit. J'en ai marre. J'en ai tout simplement vraiment marre, quoi. Donc là, je prends le TOS 1.04. Back to main menu. Reset machine. Save config aussi, tiens, ça serait très bien. Comme ça, les floppy disks. Tiens, on va mettre le 1, tant qu'à faire. Histoire de ne pas faire de conneries. Save config. OK. Reset machine.
Tu penses que c'est pas le même schéma sur ST? Mais je sais pas du tout, justement, je voulais faire sur ST pour voir si c'était le même, et si c'était le même jeu, de voir si j'étais bloqué pareil. Alors là, je suis vraiment bloqué, tu vois, là je suis softlock, même pour lancer le jeu, quoi. Ils sont forts, hein, quand même, hein. Les programmeurs étaient très très forts, quoi. Tu commences le jeu, t'es softlock. On va les faire chier au démarrage du jeu. Ça va pas marcher sur tous les ordinateurs. Là, il va me demander la disquette numéro 2. Donc là, on est sur le TOS 1.04. Donc juste avant le TOS 1.06 qui est sur STE. C'est un jeu pour public averti. Ouais, je sais pas. Voilà, disque 2, ok. Floppy disk. Après, c'est niqué. Ok. On va y arriver. Oh, t'es bien optimiste, Paco. J'aime bien ton optimisme. On va voir, hein, si on y arrive. Mais ça fait quand même 1h30. Ah, bravo. Pas mal, hein? Ah oui, c'est animé et tout, quoi. C'est chouette. Ah, le jeu fonctionne, hein. Ah, ça marche, ouais, d'accord. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de keyboard error. Hein. Par contre, est-ce que la main va trembler maintenant? Non, non, c'est pas un problème de. Je pense que. Là, il y a la protection du jeu et. Parce que si tu veux, moi, j'ai le jeu original. Ça, il ne fonctionne. Bon, moi c'est la disquette qui merde. Ça fonctionne. Le jeu, il va jusqu'à un certain point et puis après, ça déconne. Que ce soit sur STE ou STF, hein, d'ailleurs. J'ai jamais eu de problème de keyboard ou quoi que ce soit. Et là, sur la version originale, là, c'est une catastrophe, quoi. Alors, je vais réessayer les versions originales que j'ai là, d'ailleurs, sur cette version-là. Parce que là, ça marche pas. Donc bon, faut insister. Donc ça va être un stream mis à la poubelle. Qu'est-ce que j'avais comme Captain Blood version? Donc ça c'est les IPF, Captain Blood.zip. Alors j'avais la version A et la version B. Alors ça c'est ce que j'ai récupéré sur Atari Mania. Une catastrophe. Je vais réessayer. Parce que bon, j'ai plus rien à perdre. Hein. J'ai plus rien à perdre. Hop là. Ah non, on peut pas. C'est... Non. Ah oui, d'accord. Parce que là, il comprend pas. Ok, d'accord. Attends, le truc, vraiment, il fait chier jusqu'au bout. Alors, on va extraire ici. Ah, d'accord. Je l'avais déjà extrait. Ok, bon, très bien. Ça aurait pu être marrant d'utiliser le PCOM avec des images buggées. Ouais, ça aurait pu être marrant 5 minutes, quoi. Et tu vois, moi, ça a duré 30 secondes l'amusement. J'ai beaucoup moins de patience que ça, tu vois. Moi, j'aime les jeux, mais je suis pas fan des bugs, tu vois. Tu peux avoir un bug rigolo, mais au bout d'un moment, le bug, il a tendance à te les gonfler. Un bon 1943 sur 6128.
Oh, j'y avais joué avec mon fils en stream. J'avais joué avec lui à 1943. Bah, il est infinissable. Il est en boucle. On a joué pendant plus d'un quart d'heure, voire un bon 20 minutes même. Sans, au bout d'un moment, même sans perdre, il fallait arrêter parce que voilà, le truc il est infinissable. Il tournait en boucle. Insérer disque 2. Bon, bah, normalement, la disquette est liée. Et ça avait merdé sur la version Atari Mania. On va voir si ça merde encore. Ah oui, bon, la suite de Captain Blood, tu vois, je... Bof. On va éviter. Eh, pour l'instant, ça déconne pas, hein. Alors, bon, je touche du bois. On va aller sur la planète. Et on va bien voir si... Hop, on fait échappe. Et on va voir si on a un ennemi ou pas. Sinon, je remets le TOS 1.00. Parce que j'ai oublié de remettre le TOS que j'avais en fait. Eh! Pour l'instant, ah bah non, voilà, c'est ce que je disais, voilà, c'est une version originale, ça ne marche pas. Alors la protection, qu'est-ce qu'elle a trouvé pour que ça fasse ça, je sais pas. Ouais, il y a 5 clones. J'en ai trouvé 3 sur Amstrad. Mais les deux derniers, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à les trouver, quoi. Les personnages, ils veulent plus parler, ils sont tous muets comme des carpes. La seule chose à faire, c'est de leur exploser la gueule et puis d'éteindre le jeu, quoi. Donc, n'y a pas d'autre émulateur? Tu crois que ça viendrait de l'émulateur? Est-ce que ça viendrait de l'émulateur? Faudrait que j'essaye avec Steam. Mais alors, Steam, je connais pas suffisamment. Je vais essayer sur Steam. Je vais le choper. J'aime pas trop Steam. Non, je l'ai déjà Steam. Je vais pouvoir l'ouvrir. Je suis pas à l'aise avec cet émulateur-là. Je comprends. C'est pas très ergonomique, je trouve, comme truc. Émulateur. Alors, j'en ai plein de versions en plus de Steam. Ça doit être celle-là, version 3.2. Oh, je sais pas, on verra. Steam. Warning, copyright, machin. Can't find, machin. Nanana, ok. Alors, oui, je vais lui mettre quand même un TOS 1.0. Je vais prendre le TOS qu'il y a dans le dossier Atari. Parce que pour moi, c'est le 1.0 qui doit fonctionner normalement. C'est le TOS de départ, enfin de base de l'Atari. Voilà. On met ce TOS là. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, tac, nanana, ok. Bah, je vais vous afficher le Steam. Hop, capture de fenêtre. On va l'appeler Steam. Ce nom est déjà utilisé. Ah bon, je l'avais déjà mis. Tiens, ah oui, il est là. On va peut-être agrandir le bazar là, parce que je crois qu'il faut double-cliquer sur le logo de Steam pour faire Disable Normal Size, ça c'est ça. Restore Always on the Top, Bigger Window. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Alors, je vais miser là. Je
laisse encore jusque là. Voilà. Bon, c'est Steam. Tu secoues la souris dans le sens inverse des tremblements, ça annule. Oh non, mais tu crois que je vais m'amuser à faire ça? T'es fou, toi. Alors, Disk Manager. Je vais mettre... Parent Directory. Alors, ça va être dans... Parent Directory encore. Desktop. L'Arche du Captain Blood. Europe. Qu'est-ce que ça me met là? Oh putain, ça me nique ma souris, c'est chiant quand ça fait ça. Captain Blood 98, c'est pas bon. Captain Blood Europe. Oui. Bon, c'est super chiant. Je déteste cet émulateur, j'y comprends rien. On met des trucs sur le bureau, ça se voit pas dans l'émulateur. Les IPF, il les comprend pas. Si je mets un IPF là, move here. Un autre IPF là, move here. Ben c'est simple, il les voit pas. Comme ça, c'est... Alors si je prends maintenant les IPF... Si je prends plutôt celui-là que je le mets là. Sans déconner, mais je peux pas. Hein. Je Steam, je peux vraiment pas, quoi. Des fichiers ST ou MS. Ah, putain, la vache, il comprend pas les STX. C'est de la merde s'il comprend pas les STX. Non, je veux pas croire que Steam ne comprenne pas les STX, c'est pas possible. Je refuse de croire ça. C'est pas possible. Il manquerait plus que ça. Non, même les fichiers zip, il me demande de les extraire. Alors, il comprend absolument rien. Non, je peux même pas lancer un jeu avec, quoi. Il m'affiche rien. Je vais mettre une version crack. Peut-être qu'il va pas m'indiquer de problème de clavier. C'est jamais. Bon, il me lance rien là. Non, mais Steam, c'est pas possible, c'est une catastrophe ce truc. Ergonomie 0, compréhension, intuitivité 0. Je viens de voir que la suite de ce jeu est dispo en bêta. 4 premiers chapitres. Ah ouais, non, mais moi je veux même pas faire la suite de Captain Blood. Hein. C'est mort. Non, là, Pistim, il est complètement pété, il veut rien savoir. Il veut absolument rien savoir. Take screenshot, nanana, il veut pas. Configuration. Ouais, mais c'est une version française, on l'a déjà testé, Alexor. Oh, non, non, sur Amiga, j'aime pas trop l'Amiga. Franchement, moi je veux faire la version Atari, quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse.
Si je fais la version Atari, que j'arrive à aller jusqu'au bout, je ferai peut-être la version Amiga, mais là, j'ai même pas fini la version Amstrad. Alors, ça risque pas, quoi. Memory size, machin. Ouais, non. Non, sans déconner, Steam ne marche pas, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà, puis Windows me dit que Steam ne s'est pas exécuté correctement. Bon, je fais une dernière tentative de Steam sur une autre version de Steam. Si ça marche pas, bon, ben, on va arrêter là, hein, parce que ça fait quand même bientôt 2 heures que je stream pour rien du tout. Au bout d'un moment, il va falloir quand même se résoudre à arrêter. Qu'est-ce que je vais prendre comme version de Steam? Donc, à la limite, celle-là, je vais refoutre le TOS. Un, dedans. Hop, alors est-ce qu'elle fonctionne celle-là? Can't find, debug, machin, nanana, img, on s'en fout de ça. TOS image, ah oui, alors TOS image, il est là. Hop. Voilà, il initialise Steam. Ah oui, c'est vrai, c'est une version avec un débuggeur. Par contre, je crois que je viens de le fermer. Merde. Vous voyez pourquoi j'utilise jamais l'émulation en dehors des streams. Déjà que dans les streams, des fois, c'est compliqué. Je joue que sur des vraies machines, parce que sinon, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Non, mais là, il me démarre même pas l'Atari. Il me démarre même pas l'Atari. Exception, do you want to crash? Ok, or cancel. Mais pourquoi tout crash? Ah bah non, c'est pas trop tôt. Ah ouais, d'accord, ça me l'avait mis comme ça. Je l'avais utilisé pour coder au tout début, ça. Je vais remettre un affichage normal. Alors, c'est quoi déjà? Machine, monochrome, non. Couleur, oui. Mémoire, on va mettre que 2 mégas. ST, bah, ça va être un STF. Voilà. 1 méga. Le TOS, TOS 1. Celui-là, on va remover. Hop, on réinitialise. Putain, sans déconner, c'est quoi là? Pourquoi est-ce qu'il me troll le truc là? J'ai mis couleur. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Save configuration file. Voilà, donc si je le redémarre. Pourquoi est-ce qu'il me met en plus là-haut, il me met bien STF? Bon, si je ferme Steam et que je le rouvre maintenant. Cinquante nuances de Zis, ouais. Ah bah putain, c'est pas trop tôt quoi. Alors, ça c'est ok. Alors maintenant il va falloir trouver un moyen de mettre un jeu. Ça va être encore un autre problème, ça. C'est pour ça que je préfère l'émulateur Atari. Parce qu'on n'est pas emmerdé avec tout ça. Alors là, j'essaye de trouver. Hop, desktop.
Donc là, c'est la version française, j'en veux pas, ça marchait pas. Là, il y a une version crack. Ah bah là, par contre, ouais, si, c'est quoi ça? Ah voilà, version disque 1. Mais si c'est un problème connu dans le jeu, là, le bras qui tremble, à mon avis, l'émulation n'y est pour rien, quoi. Contre là, l'espèce d'affichage, c'est moche, hein. Je sais pas si on peut enlever ça. Alors, il faut mettre la disquette numéro 2. Alors, la disquette numéro 2. Hop, on la glisse dans le lecteur A. Hop. Bon, bah, je viens de la mettre. Okay, pourquoi est-ce qu'il m'emmerde? Bah oui, disque 2. Oh putain. Je clique sur un dossier, ça me lance ce qu'il y a dans le dossier, mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Alors je vais mettre ça pour changer. On peut pas virer l'affichage dégueulasse. Une bonne soirée de jeu, ouais, tu parles. Je comprends pas pourquoi vous êtes toujours aussi nombreux à me regarder faire des fails en boucle. Alors, est-ce que ça crée un suspense dont j'ignore et qui, oui. Putain, 1 h 30 pour lancer un jeu, c'est pas vrai. On veut te voir réussir, c'est ça? Ah bon, c'est ça. Pourquoi pas essayer la version Amiga? Oui, mais hier, j'ai même pas. Ce que je disais, j'ai même pas fini la version Amstrad. Moi, j'aime les Atari, l'Amiga, j'aime bien vite fait, quoi. Mais c'est pas. C'est vraiment pas l'ordinateur que je préfère, quoi, honnêtement. Donc là, j'ai mis le voilà, disquette B dedans. Tout le monde attend le jeu, tu ne peux pas nous décevoir. Ah ben là, je crois que c'est mort là. Niveau fail en boucle. Bon, qu'est-ce qu'il va me dire là? Pour l'instant, rien. On va choisir la langue. Allez hop. Mais pour moi, ça va rien changer, hein. Le bras va quand même trembler quoi. Hop, échappe. S'il veut bien. Bon là, même la touche échappe, il en a rien à branler. Ah si, voyons, c'est long. Puis là, normalement, j'ai le bras qui va trembler. Une version craquée, ben, j'ai déjà essayé, mais bon. Ah! Ah! Eh! Ça marche. IPF support, unit cap style.dll in Steam directory. Ah oui, je l'ai pas ce fichier-là. Eh, ça a l'air de fonctionner, hein. Alors, il est quelle heure? 10 h 33, j'ai pas y joué beaucoup, forcément. Allez, on va voir jusqu'où ça va, voir si ça déconne pas trop.
Oh la vache. Ah bah voilà, moi grand prime, moi grand Migrax. Donc ça, c'est avec la version d'Atari Mania. Hein. Donc en fin de compte, il y a un problème d'émulation avec Atari. Ah, moi, dire information, Migrax, missile courageux. Donc missile courageux, c'est un autre Migrax. Donc là, je vais commencer à prendre des notes, hein, histoire de voir si c'est la même version. Puis je ferai un stream en partant de zéro, là, parce que là, ça va être de la découverte, on va dire. Hein. La découverte de comment lancer un jeu. Alors, moi, aller, planète esprit. Ça, c'est ce que je faisais. Libérer esprit. Okay. Ah, là, par contre, là, c'est comme sur Amstrad. Là, je reconnais. Là, il a les mêmes dialogues. Coordonnées, planète. Je sais pas, moi. Missile courageux. Ah, puis là, c'est les mêmes icônes, là. Missile courageux, grand Migrax. Missile courageux, tuez-toi. Moi connaître, moi pas dire. Voilà, donc pour le punir, donc lui, il veut aller sur cette planète-là, lui. Alors, moi, je lui dis, alors déjà, je lui proposais. Moi, téléporter, toi. Planète, bonne fin de stream. Bah écoute, merci Retro Player. moi téléporter toi, planète, esprit. Il aime bien la planète esprit, apparemment lui. Voilà. Bon, par contre, c'est bon, là, on est obligé de cliquer plusieurs fois pour que ça avance, quoi. Moi vouloir aller planète. Moi aimer grand vaisseau. Moi aimer connaître planète. Moi aimer toi, téléporter moi. Non, toi, moi courageux. Non. Moi courageux, toi téléporter moi. Rire, rire. Bon, allez, on va l'emmener déjà sur une planète inconnue, parce que lui, il va nous filer les coordonnées de missile courageux. Donc lui, c'est grand prime. Hop. Ah, il y a des. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est mieux que la version française. Là, au moins, ça verrouille les coordonnées. Alors, je vais l'emmener en 0,0. Alors, par contre, faut choper la barre, c'est un peu chiant, quoi. Non, ça, là. Il veut pas qu'on la mette là. Oh non, c'est une catastrophe là, les espèces de barres là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de clic droit, clic gauche? Hein, on peut pas aller. Ah si, 0,0, c'est là. Ah, OS 345, just subscribe. Bah écoute, bah merci, t'es vraiment bien gentil, quoi. Parce que vu le stream de merde que je suis en train de faire. Oh, c'est marrant, 0,0, c'est en bas, c'est pas comme sur Amstrad. 0, c'est tout en bas en fait. Galaxy Map Activated. Par contre, comment on fait pour y aller? Bah oui, bah alors maintenant on y va. Alors faut cliquer là? Non, même pas. Oh là là, eh, c'est vraiment de la merde là, leur système de coordonnées là. Parce que là, moi je veux y aller là. Ah, c'est clic droit. C'est clic droit en fait pour y aller. Par contre, c'est pour zapper l'hyperespace à tous les coups, parce que j'ai pas eu le droit au truc. Ok.
Alors là, par contre, la touche échappe, elle est vraiment réactive. Donc là, je vais laisser le grand prime là. Toi méchant, voilà, ok. Moi vouloir aller maison, oui. Ichwin. Bon, ça d'accord, c'est comme sur l'Amstrad. Bon, voilà, en fait, oui, là je m'y retrouve là. Puis les icônes sont quand même beaucoup plus jolies, quoi. La version française, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Donc je le laisse là. Non, je le laisse pas là. Faut que je récupère les coordonnées de missile courageux. Oh, ça va être long de jouer à ce jeu-là, avec tous les décors qui se refont à chaque fois. Alors par contre, c'est long hein, quand il parle, hein. C'est plus rapide sur CPC. Planète, missile courageux. Et si c'est comme sur Amstrad, il va me les donner. Voilà. Si seulement j'avais eu ça en début de stream, moi. Là, c'est missile courageux. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Dans 20 minutes, j'arrête. Hein. Là, ça va être vraiment pour voir si c'est la même chose qu'Amstrad, vu le temps qu'on a perdu. Alors, 238, 59. Hop, 238, 59, c'est bon. Oui, ma chérie qui m'envoie des cœurs. De toute façon, j'arrive bientôt. Ah si, on peut faire ça. Apparemment, c'est clic droit pour zapper. La touche échappe et marche pas. Là. Par contre, l'arrivée des planètes, c'est lent par rapport à la version Amstrad. On échappe. Ok. Par contre, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est vraiment joli. Voilà, donc ça c'est missile courageux. Ouais, bon, bah c'est comme sur Amstrad en fait. Ok, donc moi, il va. Voilà, alors moi je vais lui demander corps planète, coordonnées. Ah, tiens, le numéro c'est pas un N, c'est un D. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ont mis un dé? C'est joli, mais c'est long. Ouais, je trouve, ouais. C'est un peu trop long, ouais. Même le discours avec le Migrax, hein, je trouve que c'est un peu long. Hein. Moi, dire grande information. Donc, en fait, là, il me demande d'aller récupérer Grand Prime et de le remettre chez lui. Bon, j'ai compris comment ça marche, là, les coordonnées. Activated. The
En fait, quand on clique sur le bouton droit de la souris, ça nous met directement à la planète, sans avoir à passer par l'hyperespace. Hop. Donc moi, il va falloir que je répare mon exemplaire de Captain Blood là, parce que je vais avoir envie d'y jouer sur mon vrai Atari. Parce que hors de question que je m'amuse à jouer à ce jeu-là sur un émulateur. Alors là, vu la merde que c'était pour arriver à y jouer en plus. Hop, alors lui, je lui proposais de téléporter. Bon, ok, on a compris. $159.99. Oui, c'est là qui va aller. Voilà, on le téléporte. Par contre, c'est joli ça, les animations là, des espèces de poissons là avec des cheveux là. Hop. Donc, il veut qu'on le remette en 159.99. Alors, on va avoir 99. Hop. Par contre, c'est pas mal là, le système de verrouillage. Ouais, si je pense que je vais m'y habituer assez rapidement. Hop, clic droit. Et ça me met directement à la planète. Bon, c'est cool. Par contre, c'est vrai que c'est long, dis donc. Bon, dis-moi, Paco, quand est-ce que tu vas streamer? On doit te poser la question sans arrêt. Parce que j'ai regardé le replay. Ah, mais au fait, on est lundi? Mardi? Non, on est lundi? Comment ça s'est passé? Ou c'est pas ce lundi-là, non, que tu dois passer sur la table? Hop. Ok, donc je retourne voir Missile Courageux. Le stream de l'Eurovision, ouais, j'ai regardé. Alors, j'ai pas regardé pendant le truc où il y avait l'Eurovision, mais quand. Entre les deux. Et ensuite 59. Et ça me fait halluciner que tu veuilles refaire Orion Prime. Je crois que tu l'avais fini en plus, moi. Hop. Là. Ouais, en fait, contre la touche échappe, ça réagit pas aussitôt qu'on appuie dessus, faut rester appuyé dessus, j'ai l'impression. Alors, moi, grand Migrax missile courageux, toi grand, toi libéré Migrax grand prime, toi téléporté grand prime planète reproduction 14. Moi, donnez-toi grande information. Toi, contactez Ami Sinox. Ami Sinox, grand grand cerveau. Code Sinox, impossible, pas Sinox. En plus, c'est les mêmes codes que sur Amstrad. Alors, c'est la planète 128. Bon, en fait, c'est la même chose que sur Amstrad, là. Donc, le Sinox 128, ça va être 157. Donc, je risque d'être bloqué au même endroit tous les coups. De toute façon, là, je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. Hop là. 157, 50. Hop.
157 50 et on y va direct. Et si j'appuie une fois sur échappe. Ouais non, faut bien rester appuyé en fait. Donc normalement pour avoir un premier numéro, il faut mettre les Athéna sur des planètes étrangères. Alors, impossible, pas Sinox. Impossible. Pas Sinox. C'est exactement le même ordre que sur Amstrad. Hein. Ça, ils disent exactement la même chose. Donc à mon avis, je vais être bloqué au même endroit sur Atari que sur Amstrad. Toi, Blood. Alors, moi vouloir, coordonnées, planète, numéro. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mis un D au lieu d'un N pour le numéro. Ok, je lui ai demandé autre chose. Qu'est-ce que je pouvais lui demander de plus à lui au fait? J'avais noté des trucs. On peut lui demander quoi? Sinox, beau esprit. Ah ouais, lui c'est pour les. Ouais, il va nous envoyer sur les trucs Christo 15 et tout ça. Coordonnées, Christo, il va nous dire. Alors, moi, donner, toi, numéro, toi, grand ami Blood. Ah bon, direct? Ah oui, mais moi, vouloir 4 planètes. Oui, voilà. C'est comme sur Amstrad. Voilà, c'est exactement les mêmes choses. Donc, il y a 121, 92, 169, 69. Là, je reconnais Captain Blood. 160, 110. 242, 25. Ok. Alors, 121, 80. Donc ça, c'est des antennas. Il veut les planètes, donc faut dégager les antennas des planètes. Donc 121, 92. Ouais, je finis par m'y habituer en fait au truc des coordonnées, c'est pas si mal que ça en fait. Merde, hop là. Par contre c'est pratique, hein. Clic droit de la souris, paf, on est direct sur la planète quoi. Par contre ça c'est long, c'est chiant quoi. Alors, coordonnées, planètes, parce que Grand Prime m'avait dit qu'il connaissait les coordonnées des planètes Robed. Alors, 242, 77, de toute façon je vais pas aller jusqu'au Robed. Hein. Mais bon. Téléporter. Hop. Moi, téléporter, toi. Rire, rire. Moi, aimer toi. Moi, aimer téléporter.
Moi, téléporter, toi. Oh, il est chiant. Coordonnées, planète. Oh ben, des fois il se déclenche comme ça. Moi, téléporter, toi, beau planète. Ah, il va être content. Téléporter, beau. Aimer, connaître, téléporter. Ah ben voilà. Il est coriace celui-là. Oh la tronche du bidule. Il est marrant le machin. On dirait un pas un Muppets, un Fraggle Rock. Donc lui, il faut que je le balance dans une coordonnée, je sais pas, au pif. Foutre ça là-haut. Hop. Par contre, ça c'est long, c'est chiant. On peut pas annuler les machins. Hop, on le met là. Voilà. On n'a plus besoin. Ensuite, il faut aller en 169-69. Hop, on y va direct. Hop. Par contre, c'est joli leur truc, hein. C'est vraiment très joli. Allez. Hop, si je lui dis téléporter. Moi, téléporter, toi. On va lui demander coordonnées des planètes. Coordonnées, planète. Robed. Qu'est-ce que c'est que ça? French Tom Berry te suit. Ah bah écoute, bienvenue French Tom Berry. 128, 103. Hop, il veut bien. Est-ce que tu connais ce jeu? Captain Blood. Le jeu de l'enfer qui te fait perdre la tête. Et qui te la prend surtout. Hop, allez. Oh merde, je suis au flux. J'ai mis l'hyperspace. Alors du coup, on peut pas l'annuler hein, une fois que c'est lancé. Ah, par contre, il y a du bruit là. Dans la version française, il n'y avait pas de bruit. Par contre, ça fait un peu trop vieille démo quand même leur truc là. En mode crack trop. Bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, X-Files, ouais. Bah moi aussi, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Ah bah tiens, le jeu plante. Étonnant. Bon bah voilà. Le jeu est planté. Au revoir. Bah ça tombe bien, c'est la fin. Donc voilà. Oui, tu l'as déjà un peu bien barré comme jeu, bah ouais. Alors moi j'ai presque fini la version Amstrad, il me restait plus que deux numéros, et puis j'en ai eu vraiment ras-le-bol, parce que Dead Softlock,
la plupart du temps, puis surtout quand t'es vraiment bien softlock et que tu sais pas du tout quoi faire. Ouais, panne d'essence galactique, voilà, le truc il a frisé à mort. Donc soit c'est l'émulateur qui est de la merde encore, ou alors... Donc voilà, ça c'est la map que j'ai faite pour la version Amstrad, et que je n'arrive pas à terminer parce que bah, le jeu me bloque. Donc voilà, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Ah ben zut, bonne nuit à tous les fans de Captain Blood. Bah ouais, je sais pas s'il peut y avoir des fans de Captain Blood, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Bon bah je vais essayer de voir si je peux pas faire un petit raid quelque part. Histoire de pas vous lâcher comme ça dans l'espace. N'importe comment. Tiens, Xifo, à quoi il joue lui? Ah, c'est son 500e stream Twitch. Oh la vache. Le 500e stream qu'il a fait. Putain la vache, ayon. Ça en fait un paquet quand même. Mais il stream tout le temps aussi en même temps. Donc le 500e est vite arrivé. Hop. Comment je vais faire moi? Oui, c'est vrai, on fait raid. Raid et Xifo. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée, bah merci d'être resté aussi longtemps pour le stream de merde que je viens de faire ce soir. Tout ça pour finir par un fail. Puis bah à bientôt.